Moi, je pense pas qu'il aime les hommes, on dirait. Il est là. Il aime pas les hommes, hein. Faut le tenir comme un bébé. On dirait bébé. Préparez, les chauffeurs sont là déjà. Allez, c'est pas nous qui avons fait rame. On va l'appeler. Bon, venez.
joyeux Noël. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je souhaite vous dire un tout grand merci pour avoir regardé mon vlog au Congo. Je ne m'attendais pas à avoir autant de vues. Donc un grand merci à tous qui ont regardé, à tous qui ont laissé des commentaires. Je tenais à faire cette petite vidéo parce que j'ai reçu pas mal de questions à propos du séjour. Et voilà, avec cette petite vidéo, je voulais un peu répondre à vos questions. Sans trop tarder, je vais commencer par la première question. Alors pendant les deux séjours, on était à Kinoasis et c'est un complexe avec des villas et des appartements. Il y a également une piscine, un terrain de tennis, il y a un mall juste à côté avec un supermarché, pharmacie, restaurant, distributeur d'argent. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le prix de location dépend un peu de qui vous louera l'appartement. Alors, la première fois, on a trouvé notre appartement via le site Airbnb. J'ai envoyé un message à notre hôte, c'est une fille qui habite ici sur Bruxelles, elle s'appelle Eden et elle m'a donné la permission de partager son profil Airbnb. Je le mettrai dans la boîte à description et je mettrai également son compte Instagram ici. Et comme vous allez voir sur son profil, elle a plusieurs appartements sur Kinshasa et vous pouvez la contacter pour vos questions ou pour avoir un prix ou si vous avez de la famille qui est déjà sur Kin, qui veut un peu voir les lieux avant de s'y rendre. Je crois que c'est possible. L'aide est vraiment hyper agréable et c'était vraiment un plaisir de rester dans son appartement. La deuxième fois, nous étions également à Kinoasis, mais pas dans l'appartement d'Eden malheureusement, vu que son appartement était déjà réservé. Mais ce contact-là, je ne l'ai pas. Ce qu'il en est du prix, la première fois, on a payé, je pense, aux alentours de 1600 euros. C'était un appartement, deux chambres, deux salles de bain, et on était à 4, donc le prix était vraiment raisonnable. La deuxième fois, on a payé 1 800 $. C'était un appartement, trois chambres, deux salles de bain, mais comme j'ai dit, j'ai pas le contact de cette personne. J'étais également en contact avec une page Instagram qui s'appelle Keeping Up in Kinshasa, il me semble. Et ils ont également des appartements sur Kinoasis. Je mettrai leur compte Instagram ici. Je n'ai pas réservé avec eux, mais j'ai vu qu'ils avaient regardé mon vlog et je leur ai posé la question. Ils m'ont dit qu'ils ont également des appartements, donc vous pouvez leur contacter aussi pour demander des prix. Pour réserver notre villa à Zongo, on a contacté directement Zongo Fever. On a envoyé un email avant de partir à Kin pour demander le prix des dates auxquelles on voulait aller. Et une fois sur place, on est parti à leur bureau pour confirmer notre réservation. Et il y a plusieurs choix. Nous, on avait pris la villa avec deux chambres.
Mais il y a également des tentes, des bungalows, des chambres simples et un peu de tout. Le prix dépendra un peu de la chambre ou de ce que vous allez louer. Sur leur compte Instagram, ils ont mis une grille avec tous leurs prix. Je vous conseille de leur envoyer un petit message sur Instagram ou bien par email. Les chutes de Zongo sont à 130 km de Kinshasa et ça vous prendra 4 heures de route. J'ai envie de vous dire, partez à temps. Nous, on est parti à 9h pour arriver à 15h parce qu'on a été bloqué pendant 2 heures dans les embouteillages de Kinshasa. Donc, si vous y allez, j'ai envie de vous dire partez très très tôt, au moins à 6h ou à 7h. Comme ça, vous arrivez tôt, vous avez le temps de vous reposer un petit peu avant d'aller aux chutes d'eau. Nous, on avait réservé qu'une seule nuit et donc, du coup, vu qu'on est arrivé assez tard, on a visité qu'une seule chute parce qu'on était trop fatigués pour aller à la deuxième. Et le lendemain, il fallait qu'on rentre sur Kinshasa pour faire nos tests Covid pour rentrer en Belgique. Donc, j'ai envie de dire, si vous décidez d'y aller, allez très tôt. J'avais répondu à ce commentaire en disant que je me souvenais plus du prix, mais en regardant dans mes photos, j'ai retrouvé le ticket du restaurant. Et on a payé 250 $ pour 5 personnes. Et sincèrement, je trouve que c'est raisonnable. J'ai pris une bouteille d'alcool, une bouteille de vin. Et on s'est vraiment lâché. On a vraiment pris un peu de tout. Donc voilà. Si c'est pour aller à Zongo, ben vous pouvez discuter avec l'agence quand vous allez réserver votre hôtel, parce que eux, ils ont également des chauffeurs qui viennent vous chercher à votre domicile et qui vous ramènent à Zongo et puis le retour également. Et sur Kinshasa, on a réservé un taxi via un site. Je vais vous le mettre dans la barre de description. Vous avez des forfaits donc de 2 heures ou 3 heures ou 4 heures pour louer un taxi avec un chauffeur. Et je vais vous mettre le lien parce que le service était vraiment hyper bien. Ils étaient ponctuels, les voitures étaient propres, l'airco fonctionnait, il y avait du wifi dans la voiture, les chauffeurs aussi étaient propres, corrects, toujours à l'heure. Comme vous le savez ou peut-être pas, il y a énormément d'embouteillages sur Kinshasa aux heures de pointe. Notre chauffeur connaissait bien les petites routes pour éviter les embouteillages au plus que possible. Donc je vais vous laisser leur site web. En parlant avec le chauffeur, on a découvert qu'ils font aussi le trajet Kinshasa-Zongo. C'est des petites voitures, mais apparemment, ils font aussi les trajets Kinshasa-Zongo. Merci beaucoup d'avoir regardé mes vlogs et cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour regarder mes prochaines vidéos. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, ça sera également un vlog. Et là, je vous ramène ensemble avec ma sœur derrière les écrans de Mouzourière. Et on vous montre comment on fait nos shootings photos à la maison. Là, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine!